Bonjour tout le monde, c'est Buranox et on se retrouve pour l'épisode 2 de Oyo the Game. Donc on va continuer la partie où j'en étais resté. Donc aujourd'hui, déjà j'ai quelque chose à vous dire, c'est pour m'excuser pour le premier épisode où il y a un décalage avec le son. Donc là, normalement on est censé réapparaître au dernier checkpoint, donc je me rappelle plus trop où il était mais on verra bien. Donc le jeu commence à être un peu plus dur, vous avez pu voir avant qu'on est déjà à 27% du jeu, donc ce sera vraiment un let's play très court. Alors je me rappelle plus s'il y a une cinématique, mais je crois pas. Ah bah non, vu que je m'étais arrêté au checkpoint, donc il n'y aura pas de cinématique. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc ce sera une vidéo déjà beaucoup plus courte que les autres, elle va durer 20 minutes, donc peut-être que le let's play, le premier épisode, je le ferai beaucoup plus long pour jusqu'à que le jeu devienne intéressant, comme ça les gens qui connaissent peut-être déjà le jeu sont pas obligés de se taper les passages chiants du début du jeu et peuvent directement commencer à l'épisode 2 pour être dans les passages plus intéressants. Voilà, donc niveau 4, donc vraiment avec les noms, je sais pas où ils ont été les chercher, mais c'est pas grave. Par contre, là, le chargement est vachement long. Je vais essayer de couper un peu ça au montage. Donc voilà, on retrouve notre petit bonhomme lanceur enfin notre petit Oyo et ses amis les choux. Donc il me semble que j'étais pas resté très loin du jeu, par contre là, monter un peu le son parce que j'entendais rien. Ça s'est fait, donc aujourd'hui, bonne nouvelle, je vais aller acheter mon HDP VR. Donc là, je fais la vidéo de nouveau assez tôt comme l'autre. Donc, je vais la mettre sur YouTube. Je la laisserai en privé jusqu'à... Ça, c'est un truc aussi pas mal à faire si vous faites des vidéos, c'est vous organiser à toujours avoir une vidéo en privé comme ça, même si vous avez un problème, vous pouvez la rendre publique et ça évite un vide dans vos vidéos. Donc ça peut être vachement pratique. Donc voilà, je mettrai cette vidéo en privé et je la rendrai publique juste au dernier moment avant que je parte. Donc comme ça, j'aurai le temps de mettre... de bien tout régler et tout ça, donc j'essaie un peu moins de crever dans cette vidéo parce que la dernière fois vers la fin surtout j'arrêtais pas de crever. Donc comme je vous ai dit, ce sera une vidéo beaucoup plus courte, je pense que je vais aller jusqu'à la fin du niveau 5 et puis après soit je ferai encore une ou deux vidéos. Donc là il me semble qu'on s'était arrêté un petit peu plus loin où je réapparaissais dans le vide. Là, je vais me le prendre. Ah non, non. Putain. Non, là par contre, c'est obligé que je me le prenne, non. Non, non, c'est bon, vas-y, saute. Dépêche-toi. Ah, juste pas. Puis en plus, j'arrivais à la fin, génial. C'est génial. J'espère que je vais devoir pas tout me retaper. Donc, désolé si je parle un peu mal, parce que j'ai un peu mal à la gorge. Mais normalement, ça devrait... assez bien se passer. Donc là je repars encore pas trop loin, peut-être pas mal loin, je vais me prendre le truc là, voilà, on y va, vas-y petit Oyo. Non, en fait je crois que je réapparais vachement loin derrière, j'en sais rien, ça se ressemble pas mal. Là c'est plateforme, là je vais planter je parie. Ah non, mais pourquoi il saute pas loin? Bon bah voilà, déjà la deuxième mort, ça fait quoi, 4 minutes maximum qu'on est ensemble, je suis déjà mort deux fois, ça commence bien. Ah, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Donc, je sais même pas si je vais réussir à atteindre la fin du niveau 4. Peut-être je vous mettrai un petit peu en accéléré, parce que ça peut être un peu chiant, vu que c'est un passage qui s'est déjà passé dans l'épisode 1. Non, là je vais pas aller, parce que je vais me repasser. Allez, vas-y, maintenant tu peux y aller. Tu sautes et tu te tournes pas lamentablement comme avant. Voilà, ça c'est fait, on continue.
pour le moment, ça se passe plutôt bien. Par contre, où j'en suis resté la dernière fois, ça a l'air vachement compliqué, surtout la fin. Je pense que c'était vraiment la fin du niveau, mais j'étais vraiment pris sur le fait, donc j'ai dû arrêter un peu en plein milieu d'un niveau. Voilà, voilà, j'ai réussi à passer. Par contre, là, je lance mes graines comme une grosse merde. Ah là là. Vas-y. Mais non, mais elle l'a touché, là, c'est pas possible. Voilà. Tu lances ta graine verte. Et on monte tranquillement. Normalement, là, je peux monter, non? Voilà. Ça, je trouve pas super utile de faire des passages comme ça. Bon, c'était peut-être pour allonger un petit peu le jeu. Non, c'est pas... Ah oui. Ah non, mais là, je suis vachement loin en arrière, non? Il me semble que j'ai apparu vachement loin, non? Oui, oui, là, je suis très très loin en arrière par rapport où j'ai arrêté la vidéo. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous mets en pause là? Parce que ça doit être juste chiant à regarder, peut-être. Bon, allez, vu que c'est un let's play, et puis qu'il est pas super long, et puis ce sera... Je pense... Bon, là, j'arrive même pas à monter, mais je vous fais des trucs, c'est pitoyable. Ok, je l'évitais pendant un petit moment. Non, mais là, je suis retombé vachement loin en arrière, il me semble. Ou alors, j'ai pas du tout de souvenir, mais il me semble que je suis vachement loin en arrière. En tout cas, je me rappelle du petit bonhomme qui est pendu là en arrière-plan, ça c'est sûr. Mais il me semble que je suis vachement loin en arrière dans le jeu. Vas-y, l'ange. Fais pousser tes petits choux. Voilà, non, je me rappelle plus où j'en suis. J'en ai plus la moindre idée. Voilà, là tu montes sur la plateforme. Heureusement, celle-là, elle se pète pas parce que c'est pas comme après. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que le jeu est vachement lent. Mais bon, il y a pas de lag en tout cas. Il fait des sauts normaux. Je sais pas. Ah, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, mais à part comme je vous l'ai dit, je vais aller acheter mon HDR, donc je suis content, je pourrais commencer mon let's play sur mon jeu GameCube. Bon, je vous dis toujours pas long parce que c'est une surprise. Qu'est-ce que j'attendais pour lancer mes graines, moi? Mais là, j'arrive jamais à l'atteindre. Enfin, en sautant à atteindre le pilier, je pense pas. Voilà, même en mettant celui-là, je suis sûr que je l'atteins pas. Ouais, peut-être quand même. Non, non, ça doit passer. Et ça va passer, parce que j'ai pas envie de me tourner lamentablement. Oui, oui, ça passe. C'est bon. Mais j'ai vraiment l'impression que je suis retourné vachement loin en arrière dans le jeu. Oui, oui, là, je suis retourné vachement loin. C'est l'endroit où je me suis tourné une fois. Ouais, vachement loin, d'accord. Pas vachement loin, mais pas mal en arrière, en tout cas. Donc je vais essayer de me dépêcher le plus vite possible. Alors, repousser là. Okay. Pitoyable. Oh, mais j'arrive même pas à toucher. Non, non, mais... Bordel. Bon, en fait, on va pouvoir l'utiliser comme ça. Voilà, allez, pousse plus vite. Petit chou. J'allais me tu montes dessus. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est bientôt le nouvel an. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon début d'année 2012. Plein de bonheur et tout ça et tout ça, tout le blabla. Bon, je vais pas trop vous saouler avec ça. Mais je le souhaite à tout le monde. Hein. Au moins, ça c'est dit parce que sinon, je risque d'oublier. Non, mais là, je l'attends jamais. Oui, je l'attends, je pense. C'est un peu embêtant de devoir repasser ce passage. J'aurais pu mettre un checkpoint. Mais bon, c'est pas grave. Alors, s'il pouvait se dépêcher le truc, parce que c'est vachement long. Vas-y. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Il va jamais le toucher. Vas-y, lancez de petites graines. C'est des OGM, à mon avis. Hein. Je vois pas d'autre explication. C'est pitoyable.
Ah, si tu le touches, là. Connerie. Ah, je suis pitoyable, là. Ah, quand même. J'y suis arrivé, hein. J'ai eu un peu de peine, mais j'y suis arrivé. Comme quoi, il faut toujours essayer, hein. On finit toujours par y arriver. J'ai cru que j'allais me planter lamentablement. Mon accueil, là, j'ai pas réussi à monter. J'ai failli péter le truc sous moi. Ça aurait été vachement intelligent. Donc si jamais il y a des jeux que vous aimeriez voir en let's play, parce que j'ai quelques idées qui me viennent, mais enfin, j'en ai pas quelques-unes, plusieurs même, mais s'il y a un jeu que vous aimeriez que je fasse en let's play, faut pas hésiter à me dire, peut-être que je vais découvrir deux nouveaux jeux qui seraient vraiment sympas. Ça, je peux pas le deviner. On verra bien si vous me proposez des choses. Tac. Fais vite, petit bonhomme, mais tu dois aller sauver ton peuple et arrêter de faire pousser ces choux un peu partout. Quand même, c'est un pouvoir un petit peu bizarre qu'il a, hein, pouvoir faire pousser des choux comme ça. C'est pas le... Sérieusement, si je pouvais choisir un pouvoir, c'est pas celui que je choisirais. Tu peux voler, devenir invincible ou faire pousser des choux. Que choisis-tu? Je vais faire pousser des choux. Il fait des rotations sur lui-même. C'est un peu bizarre. Bref, on va essayer de se concentrer un petit peu pour lui. Donc, désolé de devoir vous faire repasser ce passage un petit peu chiant. Mais c'est un peu le principe du let's play. Suivre le jeu comme si vous y jouez. Donc, je vais pas vous faire pour finir d'accélération au montage. Et on verra bien. Allez, tu ne te foires pas. Tu ne te foires pas. Oula, c'est pas passé loin. On chope l'arbre au passage, là. Enfin, il a raté. Alors, il me semble que là, c'est un passage, le passage un peu ardu, où j'arrêtais pas de crever. Non, c'est... Mais... Eh, mais je suis retourné vachement en arrière, ou c'est moi? Il me semble que ce passage, il est vachement avant. Non, non, il me semble que c'est par là que j'arrêtais pas de crever. Non, 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 il va se tôler. Ah non, c'est bon. Là, je vais me tôler, je pense. Non, non, j'essaie pas de passer. Je suis pas un fou, à ce point. Dépêche. Dépêche. Vas-y, petit bonhomme. Tu risques ta vie, là. En fait, peut-être que si je me baisse, je peux éviter ces trucs, j'en sais rien. Là, il y a tout qui se pète la gueule, il y a tout qui se pète la gueule. Vas-y. Oula, c'était juste, juste. Enfin, je sais pas, une fois qu'il est tombé, si on peut monter encore. J'en sais rien. On va lancer une petite graine. Donc, de quoi est-ce que je pourrais bien vous parler à part du jeu, d'autres choses comme ça, donc... J'en ai pas la moindre idée. Mais bon, en tout cas, je suis très content de faire ce premier let's play, donc c'est un jeu vraiment sympa, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous le conseille si vous avez rien à faire et que vous voulez tester un jeu. C'est vachement amusant à faire. Bon, c'est court, comme là, au bout d'une heure, vous voyez, j'étais déjà au niveau 4 sur 12. Alors, je sais pas pourquoi la plateforme n'est pas tombée. Et moi là je saute à un moment. Ah non, en fait ça va très bien. Là je vais me le prendre là. Non, j'aurais dû rester baissé. En fait si je me baisse, je pense que je peux l'éviter. J'en sais rien. J'espère que je réapparais juste sur la plateforme avant. Avec un peu de chance. Ah oui, j'ai de la chance. On va attendre peut-être. Voilà, maintenant on va pouvoir y aller. Sans se le prendre, hein, bien évidemment. Voilà, ça c'est fait. Ah mais c'est quand même des salauds quand tu vois les pièges qu'ils nous mettent là. Un pilier qui tombe, un truc qui tombe, une autre, avec un morceau en bois qui t'arrive sur la gueule quand t'es dessus. Ah c'est des petits salauds. Oula, j'ai bien fait de me baisser, je sais pas si ça change quelque chose. Voilà, ça c'est le truc de salaud là, la plateforme qui se pète. Faut vraiment attendre le bon moment là, quand elle est en train de remonter, pour pouvoir sauter à temps et réussir à atteindre la prochaine plateforme. Je l'ai sauté alors que c'était pas du tout le bon moment. Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux.
Peut-être si on saute, ça évite qu'elle tombe, j'en sais rien. Puis là, on va essayer d'y aller avant qu'elle se pète. Voilà. On fait un autre saut. Là, normalement, ça doit être bon, vu qu'on va tomber sur la plateforme en bas. Les décors, ils commencent à changer un petit peu. Là, c'est un peu plus... comment expliquer ça? C'est un peu plus avec des... comment dire, des décors plus créés par l'homme que par la nature. Enfin, plus créés par l'homme, totalement créés par l'homme plutôt. Là, on va y aller. Je crois même que je m'y suis pris trop tard. Attention, attention, ça passe. Là, on continue, ça va passer. Oulala, oulala. Là, il me semble que voilà, c'est là que je suis mort la dernière fois, donc il faut que je fasse gaffe, parce que si ça fait le même bug que la dernière fois, c'est qu'en fait je réapparaissais sous la plateforme. Merde, c'est une plateforme qui se pète, ça, je pense. Oui, je parie. Oulala, vas-y. Vas-y, en plus j'arrive au bon moment, là c'est parfait. Par contre, elle se pète vachement vite, hein. Là, je vais laisser le truc passer, et après on va se dépêcher, vas-y. Tu risques ta vie, petit Oyo. Là, j'ai pas le temps de passer, je pense. Là, vas-y, dépêche-toi. En fait, on a largement le temps, parce que chaque plateforme, elle commence à se casser dès qu'on met le pied dessus. Oulala, je suis sûr que si je me baissais pas, je me le prenais en pleine tête, celui-là. Allez, t'y vas, tu sautes. C'était vachement limite, là. Ah, et puis c'est la fin du niveau, je pense. Je pense que c'est la fin du niveau. Bon, ça a l'air, vu qu'on a des trucs en pleine gueule, c'est pas super. Donc, s'il y a une cinématique, je vais fermer ma bouche et vous laisser admirer ça. Donc, on a un nouveau droit au petit truc. Donc, je crois que j'ai complètement foiré les trucs là, j'ai pas dû récupérer aucune fresque et aucun truc. Pourquoi il fait rien là? Oulala, voilà, ça commence à monter. D'accord, bon, voilà. Je pense que j'ai dû en récupérer quoi, 50 sur les 100? Même pas, je pense. Alors, peut-être quand même, hein. Quand même, on dirait pas, mais j'en ai quand même récupéré pas mal. Bon, elles sont pas mal sur le chemin, donc. Un plus que 50 quand même. Bon, je ferais peut-être mieux d'éviter de les récupérer, comme ça, ça vous évite ce passage un petit peu chiant. Donc, à combien est-ce qu'on est là? À 92, quand même 92. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous laisse là? Ou est-ce que... Alors peut-être le truc que je fais, c'est que je vous laisse là, comme ça vous fait juste une petite vidéo pour le nouvel an. Ça commence avec la longue première vidéo. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Faut pas hésiter, pouce bleu, oui les pouces sont maintenant bleus pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Pouce bleu si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, blablabla, vous connaissez tout le principe. Donc je vous remercie. Ah, peut-être ce qu'on peut faire juste avant, c'est aller au titre et regarder justement avec les fresques. Si ça m'a permis d'obtenir justement ces fresques qui on récupère, ça nous fait l'histoire du personnage. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon là c'est un petit peu longuet pour quitter. Plus vite. Aussi je vais essayer de faire les prochaines vidéos un peu plus courtes, parce que le montage m'a pas pris beaucoup de temps, mais après le montage il faut créer la vidéo, enfin créer le fichier vidéo monté, et ça m'a pris en tout cas 2 heures pour que la vidéo soit créée. Donc je sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver, alors dans les crédits, non je pense pas, non. Bon bah je vous laisse sur ces crédits, comme ça voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.